Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Team Frank. Donc d'être nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo sur le unboxing des produits que je commande chez mon partenaire Prozis. Donc chose promise, chose due, ça va être fait tout de suite. Donc c'est des produits que je consomme régulièrement, que ce soit pour mes séances de sport ou après justement au niveau de ma diète, de mes repas, voilà tout simplement. Donc on commence de suite, on va commencer par les produits que je consomme pendant ou après mes séances de sport, tout simplement. Donc je ne vous parle pas de la whey parce que la whey bon, c'est en fait un classique des protéines. On va commencer tout simplement d'abord par de la BCAA. Voilà, donc c'est cela que je prends chez Prozis. Donc ça mène en fait, en général j'en prends juste après ma séance. J'en prends pas énorme, normalement c'est indiqué qu'il faut en prendre 6. Au maximum, j'en prends juste 3 après ma séance avec mon petit shaker. Voilà, ça m'aide juste en fait à récupérer, tout simplement. Voilà. Ensuite, je prends aussi ça, donc c'est l'acétyl L-carnitine. Donc c'est une sorte de brûle-graisse, même si ça n'a pas non plus autant d'effet qu'un brûle-graisse. Mais ça va aider le lendemain d'un shit à transpirer, quoi, à bien transpirer en général. On prend ça, on prend 2 gélules un quart d'heure avant la séance et je vous promets que c'est l'effet est garanti. On transpire à fond, donc ça va évacuer un peu tout ce qui est toute la flotte qu'on va accumuler pendant le shit. Voilà. Pendant ma séance, je prends de l'Amino Energy, donc de chez Optimum Nutrition. Donc là, c'est goût cola. Donc ça, je la prends pendant ma séance. En gros, donc, on met 10 grammes dans un shaker, je remplis d'eau et je le prends tout au long de la séance pour garder en fait une bonne énergie et puis ça fait vraiment effet, c'est vraiment radical. Là on est vraiment à fond du début à la fin sur la séance. Voilà. C'est pas un booster, hein, mais ça donne de l'énergie et puis c'est un concentré d'acide aminé, donc c'est vraiment parfait pour la musculation. Voilà. Donc ensuite on va arriver donc à des produits un peu plus on va dire alimentaires. Donc tout d'abord les spaghettis Prozis. Donc c'est des spaghettis donc protéinés, voilà, qui sont à faire comme des pâtes hein, dans de l'eau. Le goût est le même que des pâtes classiques. À part au niveau donc des macros, par contre on est vraiment sur des macros vraiment impeccables. En gros pour 100 grammes il y a 360 calories, donc rien. On est sur des lipides à 1,6 grammes, on est sur des glucides à 31 grammes et sur des protéines à 50 grammes. Donc c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui fait du sport. Voilà, donc ça j'en consomme assez régulièrement et c'est vraiment très très bon. Donc je vous conseille. Donc comme vous voyez, il y en a quand même 3, j'en consomme assez régulièrement. Ensuite, le lean bread, donc c'est du pain donc qui est protéiné, pareil de chez Prozis. C'est très léger, c'est un goût, on va dire, c'est bon, mais c'est pas non plus le top du top en termes de goût. Il vaut mieux le consommer avec une pâte à tartiner, protéinée ou autre chose, pour un peu plus de goût. Par exemple, c'est bien aussi pour les faire... En pain perdu, c'est vraiment le top. Voilà, donc en guise de macro là-dessus, pour 100 grammes, on est à 11 grammes de protéines. Non, je dis une bêtise. On a 17 grammes de protéines, on a 45 grammes de glucides et il n'y a pas marqué lipides, mais à savoir qu'il y a juste 8,9 grammes de sucre pour 100 grammes de pain. Donc voilà, donc c'est rien, rien du tout. Et c'est vraiment pas mal. En général, ça, je dégomme assez rapidement. L'avantage c'est que quand vous en commandez sur Prozis, on vous met en fait la date de péremption. Donc c'est vraiment parfait. Pour continuer dans le pain, donc je prends aussi les pains de chez la marque Vedder, donc Protein Bread. Et là par contre, ils sont juste énormes. Voilà. C'est mes préférés. Un goût vraiment au top qui se rapproche d'un pain d'un boulanger. En gros c'est pas mal de graines, il y a pas mal de graines en fait de sésame, enfin plein de choses. Là au terme des macros on est à, pour les 100 grammes on est à 264 calories, lipides 13 grammes, en glucides on est à peine à 7,5 grammes de glucides. Là quand t'es en sèche c'est parfait,
C'est parfait. Et on est à 22 grammes de protéines. Donc voilà. Et si vous voulez savoir en sucre, on est à 0,9. Donc il n'y a rien. C'est vraiment le top. Donc ça, je les surconsomme, on va dire. Donc là, pareil, je crois que j'en mets 3. Ensuite, je vais vous parler aussi des sirops. Donc c'est Siroprozis. Alors certes, bon, je parle beaucoup de Prozis, mais en même temps c'est mon partenaire, mais j'en ai goûté quand même pas mal des sirops, que ce soit le Valdal Farm, que ce soit d'autres marques, j'ai plus le nom en tête. Et pour moi, en termes de salé, notamment là c'est du ketchup, c'est ce qui se rapproche le plus d'un ketchup qu'on peut trouver dans les supermarchés. Pour tout vous dire, donc c'est un zéro, donc normalement c'est un zéro calories, c'est pas tout à fait zéro calories, mais en gros pour 100 grammes il y a 18 calories, donc rien. En lipides, il n'y a rien. En glucides, il y a juste 4 grammes. Et en protéines, 0,5. Voilà, et puis 1 gramme de sucre pour 100 grammes. Donc voilà, donc ça, par contre, je vous conseille vraiment. C'est un goût énorme. Ensuite, on va commencer à rentrer un peu plus dans le sucré. Depuis peu, Prozis vend du Nuts and More. Et là, les gars, c'est juste le top du top en termes de beurre de cacahuète. Mais le top du top. C'est-à-dire, c'est un goût démentiel. Donc, vous pouvez aussi donc, soit le commander sur Prozis. Avant, je commandais sur Nutri-Sport Performance. Mais depuis que Prozis en fait, je le commande chez eux. C'est un peu moins cher. Là, c'est goût white chocolate. Donc, c'est juste énorme. Donc, il y a plusieurs goûts. Il y a cookie d'œuf. Il y a quoi? Il y a coco. Enfin, plein de choses, quoi. Plein de choses. Il faut aller voir sur le site. Là, je vous dis un petit descriptif des macros. Donc là, par exemple, alors ils disent 2 cuillères, mais en gros, ça correspond à 33 grammes. Il y a 192 calories. Ça fait 12 grammes de lipides, 9 grammes de glucides. Attends, ben, c'est pareil, il n'y a rien. Et en protéines, on est à 12 grammes. Voilà, donc celui-là, mais je vous le conseille, mais comme jamais. Mais vraiment comme jamais. Il faut commander, c'est juste énorme. Ok, là celui-là c'est une petite découverte, c'est une petite nouveauté de chez Prozis. Donc c'est Peanut Choco Butter. C'est une pâte à tartiner chocolat qui a un goût, on va dire, un goût pas trop mal. C'est très 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 faible en calories. C'est assez liquide. Voilà. Après c'est pas non plus le meilleur, mais par contre c'est vraiment parfait pour mettre sur le pain Prozis. Donc j'en dis pas plus parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais par contre ça reste quand même super bon, quoi. Voilà. Et je prends aussi du peanut butter. Oui, je suis un peu fan du peanut butter. Je suis un peu fan du peanut butter. Voilà, donc là c'est du crunchy. Donc c'est toujours la marque Prozis. Bon après c'est en termes de macro c'est pareil que n'importe quel peanut butter. Là, pour vous dire, on est à 597 calories pour 100 grammes. En lipides, on est à 50 grammes pour 100 grammes toujours. On est à 7 grammes en glucides et à 30 grammes en protéines. Voilà. Donc, je vous le montre aussi parce que c'est des choses qui sont en promo chez Prozis, notamment avec mon code Team Franck. Je le mettrai quelque part par là sur la vidéo. Donc c'est soit vous avez 10% de remise avec mon code sur votre commande, ou soit dès 55 euros, vous avez ça. Donc c'est 500 grammes quand même, hein. 500 grammes, donc c'est assez gros. Là j'en ai pour un petit moment, même si j'aime bien le peanut butter quand même, là il faut y aller. Mais il est vraiment super bon pour un peanut butter nature, pour moi c'est le meilleur. Voilà, donc là-dessus il n'y a pas chipoté, je vous conseille vraiment. Voilà, donc en général je dis quand même quand c'est pas bon, mais là c'est vraiment très très bon. Voilà. Et pour terminer, j'avais quand même envie de vous montrer des choses que je consomme assez aussi régulièrement quand j'ai faim. Et puis voilà. Donc là, on est. Bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du cookie Lenny and Larry's. Voilà, c'est un cookie qui est assez énorme, qui est juste trop bon, mais trop trop bon. Ça se rapproche d'un cookie industriel. Mais là, on est vraiment au top. Là, c'est protéiné. Alors, par contre, faites attention. Quand on retourne le sachet, c'est marqué 180 calories, mais c'est pour la moitié d'un cookie. Il précise pour la moitié d'un cookie. Donc,
Voilà, c'est quand même assez fat, assez glucidique. Là, pour vous dire, pour la moitié des cookies, il marque 24 grammes de glucides, 6 grammes de lipides. Et en protéines, on a 8 grammes. Mais quand même, 24 grammes de glucides pour la moitié. Voilà, donc bon, à consommer de temps en temps, pas tout le temps. Je prends aussi pas mal de barres protéinées. Ça me permet d'éviter de trop cheater quand j'ai vraiment des gros coups de fringale. Ça reste plus ou moins propre. Voilà, donc celles-ci sont vraiment par contre très propres. C'est des carpes Kila grenades, donc je pense que vous connaissez, il y en a plein sur Instagram. Donc là, c'est goût white chocolate mocha. C'est l'un de mes préférés avec le chocolat menthe. Là, pour vous dire par barre, donc c'est une barre 60 grammes. Donc 60 grammes. Donc là, on est à 213 calories et on a en lipides 7,8, en glucides 15,3, donc rien. Et en protéines 22,6. Et en sucre, on est à peine à 2 grammes. Donc c'est rien du tout. Et c'est vraiment super bon. C'est vraiment meilleur qu'un Snickers ou qu'un Mars qu'on peut trouver pareil dans les supermarchés. Vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment top. Ça évite de craquer sur n'importe quoi. Et c'est vraiment très très bon. Donc j'en ai plein dans le carton, mais bon, je ne vous les montre pas tous. Je vais quand même vous montrer un petit peu les produits Prozis qui ressemblent un petit peu à des produits style. Style, comment on appelle ça déjà, les Quest Bars, choses comme ça. Donc tout d'abord, j'ai celle-ci, donc c'est les Protein Snack, donc de chez Prozis. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble aussi en texture un peu au Quest Bar. C'est pas mal en termes de macro. Bon, c'est pas les meilleures barres, mais par contre, c'est vrai que là, c'est juste 30 grammes. Donc c'est parfait pour les petites collations ou les petites faims. Voilà, en termes d'apport, donc on est pour 100 grammes toujours, on est donc à 391 calories, 44 de glucides, 12 de lipides et 26 de protéines. Voilà, à savoir. Donc là, c'est Cookie Cream Flavor. C'est pas énorme en goût, mais ça permet voilà, d'éviter de trop craquer. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci, donc là c'est une nouvelle barre protéinée Oats. Donc voilà, donc c'est à base d'avoine, hein, comme c'est indiqué. Là par contre, c'est pas mal cette blinde de bille, par contre, ça c'est vraiment top. En termes de goût, c'est pas non plus top par rapport à une carpe qu'il a. Mais pareil, ça t'évite de trop craquer. Voilà, donc c'est pas trop mal. Pareil, en termes de glucides, en termes de calories, on est à 372 pour 100 grammes. Là, c'est une barre de 80 grammes. Et on a 42 grammes de glucides et 5,8, non, une bêtise, 11 grammes de lipides et 24 grammes de protéines. Voilà. Mais à tester quand même parce que c'est pas trop mal pour caler. Voilà, donc si tu as vraiment une faim dans l'après-midi ou dans la matinée, tu peux manger ça. Ça reste propre. Et pour terminer, c'est des petits cookies de chez Prozis. Alors, c'est pas les concurrents directs de chez Lenny and Larry, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus petit. Et c'est, comment dire, c'est pas moins bon, mais la texture est pas top, et pas super top. Voilà, donc j'avais quand même envie de vous en parler si en cas vous les voyez. Voilà, c'est pas les meilleurs quoi, mais pareil, ça évite de craquer sur autre chose. En fait, c'est en gros, c'est les choses que je prends qui restent bonnes, mais ça me permet de pas craquer sur toutes les confiseries, les choses, les glaces, comme ça en fait. Donc je mange ça va me caler un petit peu, parce que c'est quand même pas mal protéiné. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le unboxing. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mon fiston pour avoir tenu à bout de bras la caméra. Voilà, donc mettez un petit pouce bleu. Voilà, donc là, ça fait juste une semaine que j'ai posé la dernière vidéo. Donc, je vais essayer de faire toutes les semaines une petite vidéo. Mettez un petit commentaire si vous voulez voir d'autres choses sur les produits Prozis. Voilà, donc quand même, je tiens à vous dire quand même que c'est pas non plus c'est pas une pub Prozis, c'est juste parce que ben, j'avais plein de messages de gens qui voulaient savoir ce que je consommais. Voilà. Donc, à savoir qu'il y a des produits, notamment les produits, les BCA, les L-carnitine, choses comme ça en fait. Voilà, si tu débutes en musculation, t'en as. Voilà, c'est pas la peine que t'en prennes, quoi. Voilà, c'est pour les gens qui font la musculation depuis des années, qui en font régulièrement. Si tu débutes, aucun intérêt. Mange du poulet, des œufs, choses comme ça. C'est pas la peine de te blinder non plus de barres protéinées, ça sert à rien pour toi. Fais déjà ce que tu as à faire.
comment ça a évolué, et puis voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc comme je vous disais, un pouce bleu, abonnez-vous, faites tourner un max cette vidéo, enfin du moins mes vidéos. Et j'espère que là, normalement la prochaine fois, ça sera une vidéo sur l'événement de Grenoble le 15 octobre. Donc avec en guest Thibaut Geoffrey et Justine Galis. Voilà, donc ils seront là à partir de 15h. Nous, on commencera à 14h. Il y aura la dégustation de mes pancakes. Voilà, donc ils seront protéinés avec des fruits, avec plein de choses, du beurre de cacahuète, enfin plein de choses. Il y a mon sponsor aussi, donc Prozis, qui a joué le jeu et qui m'a envoyé plein de shakers, plein de barres protéinées, plein de barres énergétiques, enfin plein de choses, des bracelets, des infusions, voilà, plein de choses. Juste pour vous montrer, en fait, donc c'est là. Ça se passe ici. Voilà, donc waouh, la classe, je suis là. Et mes pancakes, Thibaut, Justine, voilà, donc c'est le 15 octobre à 14h, Club Gymnésia. Voilà, donc je compte sur vous. Et voilà, venez nombreux donc, pour profiter de cette journée. C'est vraiment très rare qu'il se passe des choses comme ça sur Grenoble. On essaie de faire un peu bouger cette communauté, parce que c'est une ville quand même très sportive, mais les gens ont un peu de mal, en fait, voilà, à sortir. Voilà, donc il faut que les gens bougent. Voilà, on est là pour se faire plaisir, pour rencontrer plein de gens. Voilà. Et puis en plus, donc il y a des super guests. Voilà. Bah écoutez, bah je vous dis à très vite. Ciao!